Ce film est totalement con, mais c'est pour ça que je l'aime. Avant de commencer la critique, je tiens à remercier Megan pour son magnifique dessin du Predator qu'elle m'a envoyé. Elle a fait la tête de la créature sans le masque, mais c'est super bien détaillé, bien dessiné, donc merci à toi Megan. Et d'ailleurs, pour les prochaines vidéos, si vous avez envie de m'envoyer des dessins, n'hésitez pas. La semaine prochaine, je compte faire la critique de Halloween. Donc si vous voulez me faire un très beau dessin de Michael Myers, n'hésitez pas. Comme ça, votre dessin sera dans la vidéo. Donc lâchez-vous. En tout cas, merci Megan pour le dessin, ça me fait super plaisir. Bonjour à tous, vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de The Predator, réalisé par Shane Black. L'histoire suit le personnage de Quinn McKenna, un membre des forces spéciales, qui est témoin d'un crash d'un vaisseau spatial lors d'une mission. La créature décime toute son équipe, mais lui réussit à s'échapper en lui piquant son masque et son arme principale. Il décide d'envoyer le matériel à son domicile où vit sa femme et son fils autiste. Malheureusement, son fils active une balise qui permet à un super prédateur de le localiser. Quinn, quant à lui, se fait arrêter et se retrouve avec d'autres soldats ayant commis de graves délits et souffrant de troubles psychologiques. Mais il va rapidement réaliser que le prédateur va s'en prendre à son fils pour récupérer un précieux objet qui va s'avérer crucial pour les humains. McKenna, aidé des soldats et d'une scientifique, vont tout faire pour sauver son fils tout en essayant de survivre face au prédateur. Voici donc le quatrième volet et donc d'une exploitation d'une saga qui n'en demandait pas tant mais qu'on attendait avec un petit espoir de revigoration grâce à son réalisateur Shane Black. Scénariste de L'Arme Fatale, du Dernier Samaritain ou encore du Premier Predator, ou encore réalisateur de Kiss Kiss Bang Bang, Iron Man 3 ou encore The Nice Guys, a été choisi dans une reformation d'un mythe cinématographique qu'il a lui-même créé. Mais à la sortie de la salle, la première question qui me pose à l'esprit, c'est à quel public est destiné ce film et quel public va défendre ce film. Ce film est tellement aux antipodes de ce qui se fait actuellement dans les productions hollywoodiennes que rien que pour ça, j'ai envie de le défendre. Bon, déjà pour beaucoup, rien que le fait d'apprendre que le chef-d'œuvre de McTiernan a encore droit à une nouvelle suite, pour eux c'est une hérésie. Mais Shane Black te montre dès les premières minutes qu'il assume pleinement sa mise en scène vénère et assumé typique des années 80. Rien que le début où t'as McKenna qui découvre le vaisseau qui s'est crashé, où t'as le Predator qui a un petit peu décimé son équipe déjà, à un moment t'en as un qui est suspendu à travers une corde et tu vois le Predator qui est en train de l'éviscérer, le corps se fait couper en deux. Et donc du coup il se tire de dessus, ça se tape et tout ça. Et d'un coup t'as le Predator qui se fait assommer, il est par terre mais il est invisible. Et d'un coup t'as les boyaux et le sang du corps qui se fait couper en deux qui tombe sur le prédateur et là tu vois son visage. Putain, ce plan est super badass. Mais là où aujourd'hui on dit que c'est de la merde parce que c'est trop violent et tout ça, il y a 30 ans on aurait crié au chef-d'œuvre. Ça se voit dans la violence, ça se voit dans l'écriture, ça se voit dans les personnages, c'est du cinéma bis totalement assumé. Tout ce qu'aime Shane Black, c'est un cinéma transgressif et vulgaire. Pour accepter ça, ça va jouer sur l'état d'esprit. Si on n'est pas dans le même état d'esprit que Shane Black, ça va être une horreur à regarder pour vous. Aujourd'hui, pourquoi on gueule sur le film? Pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il représente. Un film d'un cinéaste énervé, comme l'était Carpenter, comme l'était Paul Verhoeven, comme l'était McTiernan, des cinéastes qui ont envoyé chez une certaine idéologie qu'on a actuellement aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est enfermé dans des dogmes, dans des cases, pour plaire à un plus large public. Ce qui me fait chier parce que c'est pas un cinéma qui me fait réfléchir ou qui me questionne sur le monde actuel. C'est bourré d'incohérences, de mise en scène foireuse, de montage grossier, et je veux même pas me mettre en opposition avec les gens qui critiquent le film sur ça, parce que je suis d'accord. Mais putain, je suis sorti de la salle, j'avais la banane. Et c'est ça l'effet Shane Black, c'est que même en voyant les défauts dans ses films, il y a ce petit truc qui fait que t'as pris ton pied. Par la seule logique de sa mise en scène, Shane Black se devait de dynamiter ou du moins transcender une saga qui en avait bien besoin. Le résultat est un pétage de plomb hors norme comme on n'en fait plus aujourd'hui et qui va en déstabiliser plus d'un. Ça reste fun à voir, mais à condition d'accepter certaines choses dans la mythologie de Predator. Il est tellement à l'ouest, tellement à contre-courant de tout, c'est-à-dire idéologiquement et cinématographiquement, dans sa manière de filmer l'action, par rapport aux fans de la saga qui ont l'habitude, et dans la saga auquel il investit. Tu es à la fois consterné et éclaté, abasourdi et jovial, comme si tu venais de sortir d'un resto 3 étoiles, tu avais super bien mangé, mais que quand tu sors, t'avais encore la dalle. On pourra tout lui reprocher au film, dans son fond comme dans la forme, mais The Predator est un objet filmique comme Shane Black sait si bien le faire. Faire du fuck au fanservice, lorsque l'arsenal du Predator est en possession du héros, ou encore le fait de voir les dialogues des Predators dans leur langue d'origine. Une trahison
Peut-être, mais l'idée de Shin Black est toute simple. Renouveler une formule usée jusqu'à la corde et s'écarter autant que possible du classique de McTiernan. Au niveau des défauts, je peux citer les gunfights qui sont pas tous réussis et pas assez coupés pour certains, la lisibilité de l'action qui est difficile à cause de la caméra qui est trop en mouvement, ou encore les FX qui sont trop visible à l'écran pour certains. Au niveau des personnages, on a un gosse qui est beaucoup plus intelligent qu'il n'y paraît. Le groupe de tarés est du Shane Black pur jus et donne au film sa raison d'être. Le meilleur étant Thomas Jane qui est un personnage atteint du syndrome de la tourette. Cette bande d'associés ne se revendiquent pas comme victimes de la société et ne comprennent pas le monde auquel on vit car ils ne sont pas soumis. Ils tuent, ils jurent, ils transgressent et ce sont eux qui se sacrifient à la fin et ce sont eux les héros. Le personnage de Will Trager est tout aussi intéressant qu'arrogant parce qu'il ressemble à ce que Shane Black combat, les producteurs hollywoodiens, parce que ben, ils ont un petit peu charcuté son film quand même, ça se voit au montage. Désirant remodeler l'essence même du Predator pour servir ses propres intérêts, du pur cynisme dans la vision de l'auteur. Faux film de Predator mais véritable hommage au film de monstres bien badass auquel on a grandi. The Predator s'évertue à monter toute l'hypocrisie du monde auquel on vit, tous les carcans pourris du prêt-à-penser dans notre monde 2.0, passé au hachoir dans sa forme la plus brute de décoffrage, dans un pur esprit de sale gosse dont seul Shane Black a le secret. Tout y passe en mode vénère, genre vous êtes tous des enculés et je fais le film que je veux. Parfois maladroitement avec les défauts que je viens de citer, mais avec une vraie sincérité dans le propos. Et tout ça, si les studios l'avaient pas fait chier au niveau du montage, au niveau des reshoots, au niveau même de la fin qui a été changée, qui est fait très Iron Man 3 d'ailleurs, sans ça, j'imagine même pas la tuerie que ça aurait pu être avec le discours qu'il fallait et avec la liberté narrative et visuelle qu'aurait eu Shane Black. Mais tout ça est bousillé parce que les méchants studios bousillent tout ce qui est différent de leur pensée de merde. Il y a une idée même de questionner la nature même du Predator qui n'est pas poussé à fond, ou encore un côté féministe pas totalement assumé, genre quand tu vois la scientifique qui à un moment se met toute nue pour que le Predator ne puisse pas la tuer, mais voilà, c'est pas poussé à fond. J'ai l'impression avec le recul que le film en fait vient d'une autre époque, dans sa manière de filmer, dans les dialogues, dans l'utilisation de sa musique, on dirait que le film, il est pas sorti au bon moment. Peut-être aussi que si le film ne marche pas, à cause des productions actuelles, dans sa manière de présenter la violence, le Predator, comme par exemple l'Alien, n'ont plus leur place actuellement dans le cinéma. Ce sont des créatures d'une autre époque, et ce que tu pouvais faire il y a 20-30 ans, tu peux plus le faire aujourd'hui. Peut-être que actuellement, le Predator n'a plus rien à apporter au cinéma de science-fiction. Tout ce que j'espère, c'est qu'avec les années, les gens en revoyant l'œuvre de Shane Black vont pouvoir re-questionner un jour le film et se dire c'est vrai que le réalisateur, avec telle et telle chose, a su renouveler la saga. Et ce n'est pas un ratage comme j'arrête pas de l'entendre depuis quelques temps. Pour moi, c'est plus qu'un plaisir coupable, c'est un vrai plaisir. Ok, il y a des défauts que j'ai cités et je suis totalement d'accord avec ça, mais il y a des qualités dans ce film qui me font pardonner toutes ces erreurs. En conclusion, The Predator est un film malade qui part dans tous les sens, mais malgré tout ça, putain, je me suis pris une claque, je me suis éclaté. Je préfère mille fois un film raté sur certains points mais qui s'assume jusqu'au bout qu'un produit formaté à la Disney moralisateur et qui pète pas plus haut que son cul. Je veux du dégueu, je veux du sale, je veux du transgressif, tout ce que le film m'offre. Donc merci Shane Black. Avant de conclure, j'aimerais juste vous faire découvrir une chaîne qui s'appelle Dead Will. C'est un youtubeur qui parle de cinéma de genre, donc voilà, très axé sur l'horreur. Et rien que déjà sa chaîne, quand il présente, il est déguisé et maquillé en zombie. Déjà rien que ça, je trouve ça génial. Ça fait déjà quelques temps que sa chaîne existe, mais j'aimerais qu'elle soit un peu plus poussée parce qu'il fait vraiment du bon travail. Il questionne le cinéma d'horreur actuel et ancien avec des analyses poussées et détaillées. Un mec vraiment passionné qui s'y connaît en cinéma, donc n'hésitez pas à regarder Dead Will, ça vaut vraiment le coup. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Et bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour moi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez au cinéma. Ciao. What the fuck, I was just chillin' in the cut. Ain't no beginners, only winners. Run the monkey, run this up. Funny fuck with 20 bucks.